Le groupe Alteo va investir 15 milliards de roupies sur 10 ans pour un projet de Smart City par phase à Beauchamp. Patrice Legris, Chief Executive Officer du pôle immobilier d'Alteo, affirme que l'usine de Beauchamp, qui a cessé ses opérations en 2012, sera restaurée et intégrée dans la nouvelle infrastructure. Il ajoute qu'Anaïta à Beauchamp est un projet en partenariat avec le gouvernement. Patrice Legris, des propos recueillis par Emmanuel Edoux. Anaïta Beauchamp, donc ça présuppose que c'est à côté d'Anaïta, côté aussi de l'ancienne usine de Beauchamp, qui est désaffectée depuis plusieurs années, que nous voulons nous faire revivre, devenir le centre d'intérêt de cette région-là. Cette usine fantastique, elle propose des architectures anciennes, extrêmement intéressante, que nous voulons nous réhabiliter et créer à l'intérieur des supermarchés, des centres d'activité, de loisirs, de travail et des galeries d'art, des faire revivre graduellement et par phase cette usine. Le projet se fera automatiquement par phase. Il s'agit d'un projet qui va comprendre 100 hectares. L'investissement total au bout de toutes les phases, de la réalisation de toutes les phases qui nous pensons va prendre autour de 8 à 10 ans, est environ de 15 milliards de roupies. Le groupe Alteo investira 15 milliards de roupies dans une smart city dans l'est du pays. Anaïta Beauchamp sortira de terre sur une superficie de 100 hectares. Un vaste projet de développement immobilier, commercial et de loisirs qui a d'ailleurs reçu le feu vert de l'Economic Development Board. Les travaux qui se feront en plusieurs phases démarrent à la fin de cette année. Anaïta Beauchamp se distinguera de par sa philosophie rurale et de l'intégration des infrastructures historiques, comme nous l'explique Patrice Legris, le Chief Executive Officer du pôle Property d'Alteo, est au micro de Davy Krachuma. Il s'agit d'un projet donc qui a pour but principal de venir créer une destination dans cette région qui est si authentique dans la région de l'Est. L'ADN rural de cette région avec énormément d'espaces verts. On aura comme landscaping des arbres fruitiers, des potagers, des fleurs. C'est un projet aussi qui vient intégrer l'ancienne usine de Beauchamp, d'en faire de l'usine de Beauchamp un centre d'activité commerciale, ludique, loisirs, etc. C'est un projet quand même qui est ambitieux, qui va à terme donc occuper 4000 emplois prévus dans ce Smart City. C'est une Smart City rurale, donc beaucoup d'emplois, beaucoup d'investissements. Nous estimons à 15 milliards de roupies.